Pour équilibre sport et nature, je continue mes découvertes et ce week-end, je suis parti en Mayenne, à Argenton-Notre-Dame exactement, pour passer un week-end bien-être. Et je vais vous laisser découvrir ce lieu insolite dans lequel je vais passer ce joli week-end. Bonjour Mary Jane. Bonjour Johan. Merci de m'accueillir ce week-end dans ta yourte. Avec plaisir. C'est vous qui l'avez installée? Oui, voilà, avec quelques copains, mon mari, on a installé cette yourte. Ouais. D'accord, elle est vraiment très jolie. Les couleurs sont bien vives, bien chaleureuses. Alors, comment va se passer mon week-end bien-être? Est-ce que tu peux m'expliquer? Alors, du coup, je propose dans le week-end bien-être deux prestations au choix, en Reiki, une pratique énergétique japonaise, soit en bol tibétain également, ainsi que donc, la nuitée et le petit déjeuner. Déjeuner zéro déchet servi au panier le dimanche matin. Donc aujourd'hui, ça va être le premier soin, donc ça va être Reiki. C'est ça. Donc on peut parler de soins? Oui, soins, pratiques énergétiques, bon, c'est un petit peu la même chose. Après, ce que j'aime dans le terme de soins, c'est que vraiment c'est un moment pour soi, un moment de parenthèse, de lâcher prise. Et là, on va venir travailler vraiment sur les 7 chakras principaux, donc pour apporter vraiment une harmonisation complète du corps. D'accord, donc après cette première nuit reposante encore en Mayenne, hein, mon département d'origine, je reviens pas chez moi, je vais me promener un petit peu du côté de Dan, Château-Contier ce soir, donc un petit peu de tourisme aussi parce que justement par rapport à ces nuits insolites, et demain ce sera le bol tibétain. Oui, c'est ça, donc soit en massage sonore avec quelques bols posés donc sur ton corps, soit en bain sonore avec juste des bols posés autour de toi. Alors, est-ce que tu peux nous faire écouter justement cette vibration? Donc après, il existe différents bols et différentes mayoches. Donc ce sont très apaisants tout de suite, on voyage instantanément. Alors comment ça va agir sur mon corps? Alors, notre corps étant constitué à peu près, ça dépend des gabarits, de entre 70% et 80% d'eau, le bol tibétain, l'onde sonore, la vibration, pardon, va vraiment agir sur tes muscles en profondeur et va venir faire vibrer toutes tes petites cellules et vraiment t'apporter un massage en profondeur et un réel lâcher prise, un apaisement vraiment de l'esprit. Donc pour moi, j'ai choisi donc cette formule Reiki et bol tibétain, mais sinon, quelles sont les autres formules que tu proposes? Alors, je peux proposer également, si c'est un couple avec un jeune enfant, un atelier, une découverte, massage bébé. Ça peut être aussi une prestation. Mais pas forcément avec une unité dans la yourte. On peut aussi venir te voir que pour des soins énergétiques toute la semaine. Exactement, voilà, je suis praticienne bien-être donc la semaine, mais c'est vrai qu'à la période estivale de juin à septembre, je propose des week-ends bien-être et aussi des week-ends sans les prestations pour pouvoir aussi proposer aux gens juste une unité dans cette jolie yourte. Alors, comment on te retrouve? Alors du coup sur internet via mon lien internet et sur ma page pro Facebook Yourte Home. Yourte Home, parce que par rapport au symbole de l'homme. C'est ça, voilà, le symbole hindouiste qui est aussi une vibration très sacrée. Merci beaucoup Mary Jane. De rien, merci. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes avec équilibre, sport et nature.